Et plop les gens, bienvenue dans ce deuxième épisode de découverte de Dandara. Village des artistes, oui. Tac. On a dit qu'on devait aller en haut à gauche. Donc allons-y. Et là, il y a le bouton. Donc là, on peut passer. Et là, on a le bouton. Ça peut réouvrir dans l'autre sens. Ok. théâtre arène. Oh, là, c'est un checkpoint. Drapeau hissé. Oh là, nouveau type d'ennemi. Alors. Ok, ok. Jusqu'ici tout va bien et on peut aller là. J'aurais pu monter mais on va venir ici. Rue à sens unique. Ah mince. Oh non, je crois que c'est ça. Bref. En vrai, je me suis un peu spoilé le jeu, voir un petit peu comment il fonctionnait. J'ai regardé les le let's play, le début de partie de Mister MV. Hop là. Et cette partie-là, j'avoue, je regardais pas énormément à ce moment-là. Oh punaise. Mais je sais qu'il a beaucoup galéré pour faire ce qu'il voulait. Ok, je suis passé. Mais c'était genre pour aller là-haut, je crois que c'est la misère. Après tout ce que je me souviens. Non mais je regarde pas le chat 30 secondes et ça y est, il a défilé de ouf. C'est pas, je suis pas habitué hein, si... Attendez une seconde. Je crois que je peux agrandir cette fenêtre du coup. Hip là. Voilà. Bon par contre il y a... Si jamais par miracle il y a des nouveaux follow ou des trucs comme ça, je ne vois plus rien. Ça. Voilà. Ça fait 10 ans que t'as pas entendu le mot biscuit. Ah, elle le dit souvent, Sinobal. J'ai même pas vu du coup le nom de la pièce. Si. Ah mais c'est marqué là, chemin illusoire. Et là par exemple, ça change de sens, c'est relou. Oh, loupé. Ok, donc ce truc là, on ne peut que descendre, parce que on peut pas remonter avec le bouton. Restaurant de Donna Clara. Non. Coffre. C'est
vrai que je viens de voir aux définitions, c'est pas du tout les mêmes, hein, chacun. Non, mais j'ai plus de vie en fait. Soit j'explore en espérant qu'il y ait un campement ici, mais je pense que je vais plutôt revenir à mon campement de base. Quoique, si ça se trouve, en mourant, je regagne tout. Donc oui, là, je viens de la droite. Ah oui, et là, je peux pas remonter. Si, mince, si je retourne à droite... Ouais, là, je peux pas repasser. Du coup, il y a que ici que je suis pas allé. Auberge de Samba. Oups là, ça va vite. Là, on peut choisir 3 salles. On va les faire étage par étage. La première à gauche. Ok, ici c'est une salle triplet des danseurs. C'est une salle qui ne me sert à rien, mais je vois la prochaine salle. À peu près. Oui, oui, l'œil là, il fait un peu peur. Mais je peux tirer que dans le sol, hein, pas sur lui. Non, on est dit salle par salle. Croix de l'esprit. Attendez, du coup on peut retourner dans la pièce d'avant, mais du côté utile. Il s'appelle comment triplet des danseurs, oui. Ah oui, et d'ici c'est bloqué, mais logiquement, en appuyant sur le bouton, ça débloque. Oula! De l'écrivain. Ok, ici ça sert à quoi? Ici, si je peux revenir, je crois que si je viens là-haut, je vais commencer à tourner 6 fois. Triplé des danseurs, exactement où je voulais être. Mais je suis mort. J'ai mes 2 potions, mais faut que j'aille récupérer mon corps, ok. Mais vas-y, écoute, dis si nos ballons, on t'écoute. Non, non, je le lirai pas à haute voix, le chat. C'est... Ça dépend, mais voilà. T'as qu'à dire que c'est Barbu qui t'a donné envie. Ici.
Ah oui, forcément déluge, ça aide pas à sortir pour aller commander un truc. Autrement vous faites livrer. Enfin je sais pas s'il y a beaucoup de kebabs qui livrent. J'avais oublié qu'il fait beau ici. Moi aussi j'avais oublié qu'il pleuvait par chez toi. Vu qu'il fait beau devant mon PC. Ah mais j'y pense tellement bien au pauvre livreur, l'étoile de Dalvian. Surtout que par chez moi maintenant, les livreurs ils sont souvent... Attends, je suis là... Ils sont souvent à vélo. Du coup, j'y pense bien. Alors ça, ça tire sur le... Qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que c'est de passer par la gauche ou de passer par la droite? Parce que je sais que la pièce dure à avoir, hein. Comme j'ai dit, j'ai un peu regardé le... Le let's play de Mr. MV, c'est la pièce tout en haut. Là, je suis relativement bien parti en aléatoire, en pseudo-aléatoire. Je suis sûr que c'est à droite. Pour se faire livrer à 30 francs suisses minimum. En voiture en Suisse à chaque fois. Ok, à plus parmi. Non mais nous ils sont à vélo et Buritis. Okay. Et du coup je commence à leur donner des pourboires parce que prends ce spicoté tout toi. Et oh pas de violence. Oh le joli cœur, j'avais pas fait gaffe. Bien dans la même police que celle du jeu. Oh punaise. Du coup j'ai 3 potions. Ok. Ok. Ça craint. Chaîne de montagne de coral. C'est bon. Ce truc-là, on peut pas lui battre. Et que ça n'a pas subi, il va prendre 6 blanches. Ah mince. C'est bon. Oh punaise. Et vous, attendez, je vais vous l'ouvrir. Dandara, c'est ça? Je crois qu'il faut qu'on parle. Désolé pour le bazar avec ces murs. Je voulais protéger le village, mais ça... ça n'a pas marché. Je fais les règles, tu vois? Mais pas comme ce salaud d'Augustus, non. Les miennes sont ludiques et amusantes. La liberté, hein? Je vais t'aider, s'il te plaît. Laisse-moi faire une nouvelle règle pour toi.
Un Pokémon. Missile de Johnny B. Un mélange explosif d'ingénierie et de créativité. Même les murs de pierre ne lui résistent pas. Utiliser des pouvoirs alternatifs draine votre énergie. Vous pouvez la récupérer en vous reposant dans un camp. Ou ici. Ok. Alors L. RT c'est la gâchette. Non, X et RT. Ah d'accord. Du coup... Je veux faire dans le mauvais sens. Et si je reviens, est-ce que j'ai toute mon énergie ou pas? Non, en changeant de salle, je ne récupère pas l'énergie. Tac, tac. Oh, des trucs bizarres là. Quoi, je suis revenu ici? Ah, ah oui, d'accord. Il y a une pièce où je suis pas allé, donc il va falloir que j'y retourne. Oula. Bah oui, effectivement, ça ressemblait aussi à un préservatif usagé le missile. D'accord, je viens de comprendre. C'est le cas. Du coup, je suis retourné ici. Je vais aller au camp me soigner. Apparemment, il y a quelque chose d'intéressant ici. Dandara, qu'est-ce que je peux améliorer? Augmente l'énergie. D'accord. C'est vrai que pour le moment, je peux pas tirer beaucoup. Mais le nombre de PV qu'on regagne, c'est pas mal. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est pas hyper utile si... enfin, quoique... Si. Mais je vais préférer ici. Et encore 1000... Voilà. Alors, la pièce du haut a l'air d'être plus ou moins disponible, vu que ça... taper, mais on va aller dans la petite salle là-bas qui manque à gauche. Ah, et ben bon kebab à toi alors, hein, s'il a dit oui. Technique, hein? J'ai pas compris. C'est bien. Non, c'est pas bien. On va aller avec tout à gauche. Oh punaise. Ah, ok.
J'ai compris. Dolores, découragement. Du coup, là... Logiquement, je peux pas aller là-bas. Pourquoi un chat ronfle plus fort que toi? Je sais pas. Peut-être parce que tu ronfles pas assez fort, justement. C'est ronflé ou ronronné fort? Qu'il est enrhumé, ronfle les gens. Ouais, je pourrais pas le faire à la voix, ton bruit au clavier, je suis même pas sûr qu'il soit très précis. Je suis là. Et j'ai utilisé une potion sans le vouloir, c'est pas grave. Mais il n'y a que 13 ans, il est pas vieux. Bon, un peu quand même. Ça commence déjà. Moi, la femelle qu'on a depuis toujours, enfin, depuis qu'on est arrivé quasiment dans le village, elle a 20 ans du coup à peu près. Et là, par contre, c'est... Elle bouge plus, hein. Elle va du panier aux croquettes, des croquettes à la litière, de la litière au panier. C'est tout. Glossaire, est-ce qu'il y avait des nouveaux trucs? Oui, il augmente l'énergie de Dandara, le foulard de la liberté. Et tout ça, après, on ne sait pas encore. On va s'arrêter petit à petit. Maintenant, donc juste au-dessus, il y a eu des bruits. Sinon, tout à droite, on peut toujours pas. Sinon, tout ça, on est bloqué. Donc, sinon, on peut aller à droite là-bas. Oh punaise. Mes parents ont 3 chats, du coup. Enfin, avaient. Il y a 2 qui sont morts. Les 2 plus jeunes. C'est twist. Si, ici, il y avait un coffre. Ce serait cool d'y retourner. Et sinon... Sinon, je crois qu'on a tout fait. Ouais. Sinon, maintenant, il va falloir aller là-bas en bas. C'est bien ici. Oui, après on monte. Ah oui, c'est vrai. Et mince. Je suis trop pressé du coup. Tac, tac. Ok, là. Je peux venir ici. Je vais quand même prendre une potion là. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis 3 PV pour les potions.
Ok. Oula! C'est quoi cet endroit? Une étoile de mer. Ou de David. Utilise infusion de sel. Utilisez-la pour récupérer votre énergie. D'accord. Donc maintenant j'ai une potion de vie et une potion de mana. Il n'y a rien d'autre ici. Ok. Ça sert à quoi des... Je suis revenu mais c'est toujours trop tôt, il y a des trucs qui servent à rien. Je ne peux toujours pas aller à droite. Je vais retourner au camp et je vais aller à l'autre endroit là-bas. Ici. Tac, tac. Je suis où? Je suis là. Non, j'avais envie d'essayer ici. Est-ce que c'est faisable? Apparemment. Cimetière pour animaux, c'est dans Love is Dead. Qu'on joue en stream, mais qu'on... on n'enregistre pas. Donc il n'y aura pas de VOD dessus. Les gens du chat. Du coup, moi j'en étais... Je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille. On va se reposer au camp. Quoique on a des PV. Vu qu'on va à l'autre camp du bas. Ah, il y a une pièce ici. Peut-être qu'elle est disponible maintenant. Quelqu'un se cache là-dedans, mais il n'y a aucun passage pour y aller. Tant pis. Où est-ce que je vais? Oui, ici. Non, d'ailleurs, ici, est-ce que j'ai bien récupéré? Il y avait bien un coffre. Non, ça enregistre pas le chat dedans pour le live. C'est aussi pour ça que je le mets pas... Enfin, je le mets pas sur l'écran. En fait, si... Twitch enregistre tout seul, mais quand moi je le rediffuse, ça, je ne le mets pas le chat. C'est pour ça que j'essaie de redire quand il y a une phrase que je veux y répondre. Oui. Mais voilà. Ah, il manque pas beaucoup. Ok, c'est la potion de sel. Du coup, glossaire, on a amélioré. Oui, il augmente l'effet de l'infusion. Exhausteur d'infusion de sel. Exhausteur d'essence de sel, ok. Essence de sel et infusion de sel, ok. Et donc, il reste encore tout ça. On a découvert ceci. C'est très bien. Quoi le panneau? Bois primordiaux. Et si je poste mes enregistrements régulièrement? Chemin du palmarès. Il y a un coffre dans le mur. Bonjour, je voudrais un coffre qui est dans un mur. Sachant que je ne peux pas viser là où je veux.
Ça ressemble à un endroit où on va arriver à toute vitesse et casser par là. Je sais pas. Bref, ça ressemble à quoi cette zone? Ok. Bah justement, on va y aller vu que c'est un cul-de-sac. Ok, ça c'est les nouveaux. C'est les nouvelles caisses. Ça ressemble à ça dans ce monde-là. Oui. Non mais... Bois du plaisir. En bas à droite. Il y a rien pour le moment. C'est assez perturbant. Autant les bibliothèques tout à l'heure, elles étaient plutôt cachées, tout ça, donc ça allait. Là, c'est vraiment perturbant de voir tout à l'envers. Bonjour, toi. S'il vous plaît, remettez-moi à l'endroit. Donc ici je suis bloqué. Et il passe à travers les murs, c'est vrai. Milton, pique empoisonné. J'avais compris. Ah oui, ça régène de récupérer les restes de quelqu'un. L'esprit de celle qui reste de quelqu'un. Parcours du combattant. Ça se passe sur les races de chats poil long, poil court, sur le chat. Maine Queen, ça se dit comment d'ailleurs? On va dire comme ça. Ou Sphinx. Vous préférez quoi? Dites-le moi sous la vidéo. Dans les commentaires. Oula. Alors, bois primordiaux, ruine de la confusion. Ressemble à des poulets industriels. Voilà, voilà. J'ai compris l'avis du chat. Aïe. C'est ce que je pensais avant. Ah ! Flèche de la liberté ! Une nouvelle mission de Dandara éclatera au grand jour. Ok, donc là je suis tout en bas à droite. Là je ne peux pas y aller, ok, enfin, il se passe rien. Et là non plus je ne peux pas y aller, ok. Combattant pas très difficile, hein, une fois qu'on a tué tous les ennemis. Bois du plaisir. Ah! Il se passe quoi? Ouh, un nid! Ok, c'était pas si compliqué. Pour retourner dans l'autre salle où il y avait les... Oh. C'est où? C'est là, là.
Ah, tu. C'est vrai que dans le Neko Café, le sphinx était tout doux. C'est le duvet. Les mobs dans Hollow Knight, ouais, les moustiques un peu. Non mais d'accord, village des artistes, mais... En fait, je sais juste pas où aller. Fallait passer par en bas. Drapeau hissé. Il s'appelle Tupac Touche. On va augmenter l'énergie. Ouais, ça double l'énergie parce que c'était un peu limite quand même. Mais oui! Je ne connaissais pas Tupac avant ce chat, donc j'ai appris quelque chose. Haha. Perso, je l'appelle Toupi. Et bon appétit, le barbu. Ah, un autre boss. T'arrives juste au bon moment. Au moment où je trouve où il faut aller. Et il y a un boss. Qui est babu. Ah, Dandara, tu es là. De quel côté es-tu dans tout ça? Que veux-tu? La liberté, ne dis pas de bêtises, ne comprends-tu pas? À cause de la création inutile, le sel est empoisonné ici, faible. Pour le sel, ce village doit être envoyé dans l'oubli, il doit être purgé. Je vois que les mots ne te convaincront pas. Après si longtemps, un nouveau-né est sorti du berceau de la création. Tout ça pour se faire anéantir. Au revoir, Dandara. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah. Ah. Ça a mis des trucs pourris, là. Augustus. C'est Monsieur Bison, non? C'est comme ça qu'il s'appelle? Dans Street Fighter? Oula. Punaise. Ah, le sel parfait. Ah là là. Quelle mauvaise influence que j'ai comme chat là. Du coup, je vais devoir manger kebab. Curry, oh, c'est pas si fatueux ça pour un kebab. C'est narines. Ouais, on dirait un chat ou un chien, vu qu'on en parlait. Peut-être plutôt un chat quand on voit juste les narines.
Allez. Ah, je peux même pas aller là-bas du coup. Encore ? Peu importe. Au revoir, Dandara. Oh là là. Oh là là, je me suis pris un mur. On se prend une petite potion, vite, on s'en va. Non mais... J'ai visé l'endroit où le dégât allait apparaître. J'allais dire, je l'ai déjà tué. Non, juste mid-life, il... Oula. Il change de phase. Mais c'est sûr que les créateurs du jeu, ils connaissent pas Barbu. Sinon, le sel, pour eux, ça aurait été la monnaie de base, l'équivalent des centimes, pas la monnaie sacrée. On est d'accord. Bon. Non, non, non. Je me suis déconcentré pour parler ou ça se passe comment? Ah, c'est pas faux que je peux utiliser le missile, peut-être, dans la deuxième partie au moins. Attaque sous planche. Il est vénère. Par contre, ah, ça veut dire qu'il faut que j'atteigne la deuxième phase pour pouvoir récupérer peut-être... C'est dégueulasse. Encore ! Bla 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 bla. Allez. Peu importe, au revoir, Dandara. Allez. Allez, monsieur Bison. Oula. Ok, il est pas content. C'est bon, on est en phase 2. Oh là, je pensais que je me prendrais les dégâts. Ouais, ça fonctionne, mais ça fait pas mal de dégâts, hein, les missiles. J'ai l'impression que ça en a fait moins que les tirs de base. Mais pour finir, c'est pas mal.
Oh, des coffres. 900. 200. Ok, battu le boss. Du coup, on explorait tout ça là-bas pour pas grand-chose. Succès célébré, fête pour être brisé. Merci pour les G. Je suis décédé jour 34, quoi? Bref, je crois que j'ai trop loupé là déjà. The Sword of Mind, si, j'ai aperçu. Ça a l'air d'être un bon jeu. Mais ça m'a pas l'air trop pour moi. Dandara, mon petit, tu as réussi contre toute attente. Tu as vaincu Augustus. Contre mes attentes aussi, hein. Dans le passé, le sel vivait dans une paix magnifique. Oh, comme je pleure cette époque. J'ai perdu la volonté de me battre. Mais s'il te plaît, Dandara, c'est loin d'être terminé. Aide-nous à retrouver cette époque. Je sens tout au fond de moi que c'est la raison de ta présence. Prends ça. Le côté créatif, succès. D'ailleurs, pour les missiles, il y a dû y avoir un succès, mais je ne l'ai pas vu. Forgé dans l'ancien... Alors, pierre de la création. Forgé dans l'ancien temps pour explorer le sel, son porteur peut sauter plus loin lorsqu'un dispositif de création est à proximité. Cette pierre est un artefact précieux, un des derniers du genre. Cela t'aidera à aller plus loin dans le sel. Je dois me reposer maintenant, mon petit. Je suis épuisé. J'espère que tu comprends. Lazuli, mais t'es loin de ta maison d'ailleurs. Il me semble qu'on l'avait vu, ta maison. Ah oui, du coup j'ai une portée peut-être pas illimitée, mais au moins bien agrandie. Merci pour la voix. Téléphone rose à ce point-là. Je pensais pas l'avoir si bien fait que ça. Vous me flattez. Donc là, est-ce que... Non, d'accord, ça nous détruit pas. Bah, tant pis. Mais non, Barbu, on était bon enfant, on était bon enfant. Oula. Plus de PV. Hein. Est-ce que... Toujours fermé. Ah, on peut aller là-haut. Pourquoi je suis revenu à la base? Oui, parce que de toute façon, j'étais obligé. On peut passer par là-haut, du coup, maintenant. On va y aller. Non. Non. Par là, oui. Comment ça j'ai plus... Ah oui, si, je viens d'utiliser des sous. De justesse. Mais voilà. Ok, il y en a un qui allait suicider pendant que moi j'arrivais pas à me déplacer comme je le souhaitais. D'ailleurs, ah, ça met toujours en pointillé les murs qui sont censés être cassés, même quand ils sont déjà cassés. Est-ce que je voulais vraiment passer par en haut? Pourquoi pas? Oui. Avec Linawen, vous faites la paix. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon appétit, bon kebab. Est-ce que je peux monter là-haut? C'est toujours pas un... C'est toujours pas ce qu'il veut, ce...
À part me manger. Alors là, du coup, maintenant, on peut aller jusque là-bas. Non. Faubourg du village. Village des artistes. Terre du rêve. Bois primordiaux. Le pont colossal. J'ai le choix. Donc bois primordiaux, ça me fait re-explorer la zone dans laquelle je suis déjà allé et qui m'avait l'air compliqué. D'ailleurs, ici c'est quoi? Camp découvert. Parfait, un camp. Par contre j'ai pas de sous du coup. Forgé dans l'ancien temps, tout ça, on connaît. C'est marrant qu'on découvre pas dans l'ordre. Ok. On va aller au bois primordiaux juste parce que c'est une zone qu'on connaît. Punaise. J'espère la débloquer un peu plus. Donc bois primordiaux, ruine de la confusion. Non, il faut pas. Alors ici, ok, on peut faire gauche-droite, mais on est où? On est sur la gauche de la salle. Ok, c'est là. Aucun coffre. Oui! 900 pièces. Enfin, 900 selles. Donc là, on est tout en bas de la salle. Oh, punaise. Oh, punaise. Là, ça ne tourne toujours pas, ok. Non. Ah. Voilà. Là, on peut toujours pas, ok. Ah, sérieusement. Pourquoi c'est dans un sens et pas dans l'autre? Ok, bref. Comment ça, je crie fort? On va aller explorer à droite le pont. Ça... Quoique là-bas, ça a l'air d'être bloqué. Ok, ici c'est totalement bloqué. Le pont colossal. Ça ressemble pas à un pont jusque là. Bonjour monsieur, madame. Dandara, mon petit. C'était le pont colossal. Cela fait bien longtemps que rien de bon n'est venu de l'autre côté. Nous avons utilisé la pierre de la création pour construire ton chemin. Un chemin à sens unique, mon petit. Mais avant de le traverser, je veux que tu m'écoutes attentivement. Tu as combattu en territoire familier jusqu'à présent. Une fois que tu auras traversé le pont colossal, ton voyage deviendra plus ardu, moins naturel, imprévisible. L'armée eldarienne sera sur ces terres. Elle surgira de chaque recoin. Ils vont essayer toutes les méthodes qu'ils connaissent. Tu ne dois pas abandonner pour le bien du sel. Tu dois t'abstenir, Dandara. Après ta traversée, réfléchis à tes objectifs et nettoie ton esprit. Trouve et détruis Eldar.
leur chef. Alors seulement nous retrouverons la paix et l'amour dont nous jouissions autrefois. Ok. Ok. Si c'est à sens unique, hein, je me casse. Au moins prendre... Tu as host, sinon. Effectivement, tu héberges, je vois dans le chat, mais je vois pas dans le fil d'actualité. Eh ben, merci. du coup, mais en fait, je peux aller nulle part ailleurs. Non, je peux aller nulle part ailleurs, donc je suis obligé de faire ce truc à sens unique. Eh ben, c'est parti. Elle a disparu, là, madame. Quoi? Donc là, je peux plus revenir. À part avec un Death Warp. Peut-être. Il y a des zones, là, au-dessus, en dessous, et on peut pas y aller. Ça m'embête. Bref, tant pis. Ben, en fait, faut que tu mettes le corridor du voyageur. J'y arrivais. Non, il y a bien un œil. Il faut que tu me mettes dans tes hébergements automatiques. Dans les paramètres de ta chaîne. Périphérie de la ville. Camp découvert, mais si je vais là... Je peux plus revenir en arrière, je peux plus le faire mon Death Warp après. Transformation de la corruption. Oui, des jolis streams de dessin. Mignon. Ouh, ça pique. Par contre, ça va à deux à l'heure, ça. Je suis pas sûr que ce soit. Le bon truc. Avec la musique, tout ça. Même au boulot, c'est... C'est reposant de l'écouter. Bonjour. Alors là, c'est la technologie. Ça change radicalement des arbres. Forêt des codeurs. Ah bah, c'est pour moi, ça. Oh, punaise. Ok, faut lui tirer dessus tant qu'il a la gueule ouverte. Sinon c'est trop tard. Vite, sonne-toi, casse-toi. En fait, ils tirent là où ils ont commencé à viser au début. Ok. Repère de richesse. 320, tu trouves que c'est de la richesse? En fait, ils prennent des dégâts, mais ils en prennent plus s'ils ont la bouche ouverte, j'ai l'impression. Bois des accapareurs. Non! Game over. Effectivement, Death Warp. Bon, ça sert à rien. Du coup, je vais la jouer réglo. Et je vais aller dans le camp juste là. Ça fatigue le pouce, hein, d'appuyer autant de fois sur A.
pour du déplacement. Ah, c'est bien le Death Warp, mais c'est faut que ce soit prévu, quoi. Faut pas que ce soit par nullité du joueur. Faut que je monte. Ah, c'est... Oui, puisque à droite... Oui, c'est ça. Oh, il y a la technologie derrière, on la voit, là. J'étais bloqué, là, en bas. Transformation de la corruption. Ah oui. Je suis plus ou moins bloqué. Faut peut-être mettre plus d'angle, je sais pas, mais de toute façon... Là, faut que j'aille récupérer mon fantôme de sel. Devant le missile. Alors... C'est 30 minutes s'il faut, mais venez. Carlos, pense à demain. C'est une de ses chansons. Ok, on continue. Et on était plutôt sur manger du japonais, nous, parce qu'on a déjà bien mangé suffisamment de burgers et autres trucs gras récemment. Moi, je suis resté là-dessus, pour le moment. Oh punaise, faut déforester, ça aide pas le pouce non plus, ça. La musique qui s'arrêtait plus ou moins net quand je suis arrivé là. Parce qu'il y a des réclamations. Ruine du portail couvert. Ok. Ah d'accord. Ok, super. Donc là, je suis censé être de l'autre côté. Ouais. Ah. Mais ça sert à quoi ? Je fais comment? Je suis enfermé dans la pièce.
Ah non! Ah non, j'ai rien dit! Ah, c'est marrant. D'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc ça c'est un quart, ce qui correspond plus à ce que je pensais. Et là, on en est à la moitié en face. Je sais quand tu vas écrire dans le chat. Tu ratiboises. Couloir des souvenirs conscients. Oui, je ratiboise tout le bois. Attends. Je suis arrivé d'ici. Du coup, les deux chemins mènent au même endroit. Okay. Si, ils y emmènent. Évidemment. Il y a des esprits maintenant. Ok. Ils ont juste l'air d'être là de temps en temps. Ah mince. D'accord. Découvert désert des réminiscences. Vue du sol. Vue de solitude, ok. Drapeau hissé. Ah, des sous. Quatre PV, c'est bien, 4 PV de régène. Cinq même. Ouais. Alors là, punaise. On va aller en bas. Hein. Je pense, ouais. Pas un mot de plus que l'autre. Oui, effectivement. Quand vous vous tenez bien, ça va. En même temps, t'as la même chose sur ton stream barbu avec Linawen. Hein. Modo qui n'a pas besoin de modérer. Cette gratuité quand les gens ne sont pas là. Bonjour. J'aimerais passer. Je ne peux pas. Ok. Punaise. On va reprendre l'argent. Hein. Enfin, le sel. Fouiller des formidables fardeaux. Sérieusement. Là. 200. Je veux aller où? Attendez, c'était pas possible d'aller là-haut?
200. On va éviter d'essayer de faire toutes les caisses. Il y en a beaucoup trop. Y, ah, t'étais peut-être pas là quand on l'a débloqué. C'est en fait quand je tire le missile, j'utilise de l'énergie, là, la petite barre jaune. Et je peux récupérer de l'énergie avec ça. C'est une potion de mana en fait, voilà. Alors, oula, forcément, l'archive de l'enfant. J'arrive dans une salle. Il y a deux ennemis. Ich. Ah mais ces trucs-là, ils nous tirent pas dessus, ils tirent toujours au même endroit. Ok, c'est très bien. J'ai déverrouillé. Enfin, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas l'ennemi qui tire ici. Très bien. Je sais pas à quel point c'est utile, mais... Mais voilà. Alors... Hein ? Oui, d'accord. Du bébé. Entrepôt principal. Oh, gros coffre apparemment. Bah et voilà. On retombe dessus. Infusion de sel, utilise-la pour récupérer votre énergie. Et en vrai, j'ai jamais utilisé. On va passer par en haut. Tac, oui. Ça fait étoile jaune un peu. Ouais, bah quand... Avant qu'on la voit, tu sais, il y a un moment où c'est un... Ou c'est en nombre, les archives du vagabond. Ah, il y a un ennemi. Et j'ai dit, c'est une étoile de mer de David. Les archives du clochard. Ok. Si même les clochards ont le droit à avoir leurs archives perso. Plus, c'est peut-être pas le terme le plus respectueux que vous pouvez dire pour ces personnes démunies. Ah mais si, je suis... Du coup, j'étais pas bloqué. Alors je suis où? Je suis là, mais je préfère aller...
Le jeu de la vue comme ça, c'est irrespect. Ah, ça plus l'étoile jaune. Entrepôt principal. Qui est Demi? Ah, le... Ok, déjà ici on a été, c'est cool. On n'a pas été à droite. Du coup on aurait pu passer en haut, mais on est passé ici. Très bien. On va continuer par là. Ouais, ouais, je commence à maîtriser, je commence à apprendre. Est-ce pour les soupirs et souffrances? Oh. Archive du cœur brisé. Effectivement, là, le cœur, il est brisé. Hein. Un coffre en face comme ça, mais je peux pas y aller. Ouais, un peu. Les noms de salles. Faudra que quelqu'un qui ait fini le jeu m'explique, hein, qui ait compris le jeu. Ouais, si on peut aller là. Ah oui. Tunnel de l'invisible. Ok. Putain, j'étais sûr que... J'étais sûr de l'avoir... Enfin, qu'il allait retomber, mais du coup, j'ai trop attendu. Alors ici, on peut monter ou aller à droite. Alors, on va aller monter. Accueil chaleureux. Effectivement, ça m'a l'air très chaleureux. Non, dans l'autre sens. Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller là-bas? À part me faire buter en essayant de les buter. On ne dirait pas. Ah, tu trouves ? Archive de l'invisible. Ben, je l'ai toujours pas fait, Céleste, donc je ne pourrais pas te dire. J'allais dire il faudrait que je m'y mette, mais en même temps, j'ai dit que je m'y mettrais après avoir fini les jeux Switch que j'ai commencé. Il est dur. Il est écrit comme ceci. Très bien. Nouvelle potion. Ok, donc là en plus on est bloqué, très bien. J'aurais peut-être dû passer par en haut pour débloquer en bas. Ah mais on peut pas monter là. Oui, non, on peut pas. Avec un H. Ça ne rend pas l'orthographe meilleure, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Un coffre. Auditorium. Ça ressemble à ça, un auditorium. Allez. Salopio. Non mais gratuit, ça c'est gratuit. Je me suis fait taper de où? Ah d'accord. Je ne l'avais pas vu. Ah c'est un truc automatique, d'accord. Bon, une potion. Ça fait du bien. Exactement, c'est ma tête. Il y a une
porte là-haut, ou alors il y a à droite, mais à droite j'ai pas l'air de pouvoir y aller. Voilà, on bourrine. On a des potions, c'est pour faire quelque chose. Hall principal du musée. Non. Je vais aller là d'abord, je crois. Oui. Drapeau hissé, on reviendra ici. Ok, c'est bon, j'aurais été dégoûté si... Enfin non, je serais passé et j'aurais vu que c'était impossible. Tac. Mais... Super. Voilà. Oui, je veux aller à l'entrepôt. Faut arrêter la picole, le mec. Pour référence pour la VOD, Cinnoble a mis une emoji Cortex, c'est ça, des deux petits rats. En disant que c'était moi, que c'était mon face reveal. Ah, n'importe quoi. Cortex et Minus, voilà, merci. Évidemment, j'allais dire je peux pas être Minus, mais justement il s'appelle Minus parce qu'il est grand. Bref, j'en ai trop dit sur moi. oui, si c'est fait, c'est fait. Du coup, ici, on peut soit redescendre pour faire je ne sais pas trop quoi, soit aller à droite pour pareil, je ne sais pas trop quoi faire. On va commencer par redescendre, je dirais. De toute façon, à droite, ça a l'air d'être bloqué. Oh mince. Allez-vous-en. Merci. Mais du coup, on peut pas aller du tout là-haut. T'es grand, j'en étais sûr. Sûr, t'as des yeux. C'est l'inverse de moi. Et oui, ce viol dans le jeu. Désolé d'infliger ça, cette vision d'horreur à tout le monde. Dépôt des surcharges. Oh le salaud! Elle a sauté juste au moment où je voulais y aller aussi. Ce bullet hell.
Hop, on va se planquer. Ah mais j'ai plus de vie. Ok. Non, on va changer de salle. Deux secondes. Un endroit safe. Hein. Ça fait longtemps depuis le... depuis le dernier campement. Mais pas si loin que ça du drapeau, ça devrait aller. Je suis plus Cortex alors. T'as pas une assez grosse tête, effectivement. Il faut la grosse tête. Voilà, je suis mort. C'était évident. J'ai pas fait gaffe. Ça fait 1h30 déjà. Attendez, c'est quelle heure IRL? Parce que si je vais peut-être pas. Non, c'est déjà 19h. Je vais peut-être pas m'arrêter pour lancer 1h. Non. Du coup, je vais continuer un petit peu. C'est pas grave, ça fera une grosse VOD. Non, pas si loin. J'aurais pas dû prendre la vie tout de suite. Enfin les... Ok, c'est bon. Entrée latérale du musée. Effectivement, c'est latéral. Oui, j'ai pas pu passer par là. Oh là là. Brain fuck, ce jeu. C'est de curiosité et de la création. D'accord. F comme Fins et Fun. Ça veut dire quoi Fins? C'est le nom du personnage noir de Star Wars, le seul et l'unique de toute la série, mais à part ça. Maison de lecture pour enfants. Super. Mais non. Mais non. Potion. Escalier de la tour. Campement découvert. Nandala. Non mais les potions c'est très bien, j'ai l'impression en ce moment. Puis les PV. Et puis voilà. Prédateur, trop lent. Hein?
Non, j'étais bloqué, je pouvais pas y aller. La tour. Non. Quand il s'est remonté direct. Bonjour monsieur. Oh, as-tu trouvé une entrée? Cette nouvelle vision m'apporte un tel soulagement. C'est écrit. On pouvait voir une archive prospère de mes œuvres ici autrefois. Les temps anciens. Mon écriture n'impacte plus le moindre esprit. Chacune de mes œuvres est fragile. Chacune de mes œuvres s'effondre. Ah, c'est... Tout devient sable, un désert. Tout espoir a été abandonné. Ah, ok, cool. Même toi, t'as plus confiance en toi. Oh putain, on va à l'autre bout du monde. Balcon solitaire de l'écrivain. Tes souhaits. Casser 4 PV, quoique non, je peux encore prendre un dégât avant de... Oui, je m'enfonce profondément possible, je ne sais d'où. Falaise des réminiscences. Je vois pas où c'est qu'il y a des falaises, mais c'est pas grave. Et les réminiscences, c'est pas que je vois pas où c'est que je vois pas ce que c'est. Un crâne. Rocher du souvenir. Un rocher des anciens chemins. La réminiscence de l'ancien temps s'activera, résonnera par sa seule présence. Succès, réminiscence. Ah, ça fait une forme de crâne, d'accord. Effectivement. Il va me manger. Ah, d'accord. D'accord. Dès que je me mets à un endroit, ça bouge l'équivalent en haut et en bas. Ok. Donc ça va bientôt devoir arrêter le live. On est en train de regarder à manger bientôt. Ah, et du coup, le monsieur, comme ça, je suis obligé de le revoir. Oh, un bloc a été enlevé. Le passé peut maintenant être atteint et donner vie à de nouvelles voies. Mais attention, celui qui marche dans les ruines peut devenir ruine à son tour. Ce qui a été verrouillé autrefois peut maintenant être libéré.
Ok. Ou pas. Et Rotokumia. Je pense que du coup, t'arrives quasiment quand je vais éteindre. Oh punaise, ils vont de plus en plus vite. Je suis niveau 17. Et puis là, va falloir repartir dans l'autre sens, tout ça. Je pense que ça va être un peu long de continuer cette exploration. En plus, je suis à un vrai campement et pas juste un drapeau. Du coup, je vais arrêter là pour le moment. Merci d'avoir regardé du coup ce deuxième épisode de Dandara. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, des commentaires, tout ça, tout ça. Et à bientôt !